chocolat, t'as pas besoin des couleurs et tout, pense vraiment lumière. Et écoute, on the ground, et puis qu'est-ce que tu veux faire dans le fond? Soit tu fais un fond juste uni, face. Parfait, parfait, parfait. Ah bah super. Bah ouais, voilà. Celle-là, c'est juste. Parce que là, c'est juste. Lumière, ouais. Bah voilà, là, t'es bien. Sauf que comme là, t'es, voilà. T'es pas, c'est différent. Bah du coup, ça casse l'effet d'ici. Ouais. Mais si tu... Voilà. Tu sais, il y a un cœur. Ici, un peu, il y a une forme de cœur. Oh, c'est ça. Bah non, moi non plus, je viens de le voir. Un peu un cœur. Et tu fais un bon... Ça, c'est psychologique, là. Ouais, c'est tout dans la tête. Là, ça va? Tu tiens, comme ça? Voilà, je suis parti là, je vois déjà que la tête elle est trop grosse, ça va pas. Donc, mais ça me fait déjà une base pour poser des masses, en fait. J'arrête de dessiner parce que là, si je veux faire un dessin parfait, ça va passer trois plombes et ça va pas être super. Donc, j'arrive directement à la peinture, carrément. Bon, là déjà, voilà. Alors là, déjà passé les masses, à peu près les volumes, ça fonctionne. La couleur, bon, j'ai commencé à voir des trucs rapidement, mais à poser. Ça commence à ressembler à quelque chose. À forme humaine. Mais ce qui est intéressant quand on travaille d'après modèle vivant et non pas d'après photo, c'est que d'après photo, il y a déjà une interprétation Enfin, c'est pas la réalité, enfin, disons que c'est déjà une mise à plat, enfin, c'est juste une suggestion du volume. Par contre, quand on travaille d'après modèle vivant, c'est que le volume, il est là, on le voit, on le perçoit plus que la densité, c'est une autre sensation, ça n'a rien à voir. À la limite, il y a même trop d'informations en fait, par rapport à ce qu'on peut faire en peinture. Mais c'est ça qui est intéressant, mais en même temps assez dur à faire. Parce qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on voit et ce qui est sur la toile. Qui n'est pas la même chose quand on a une photo qui est déjà sur un... Et ce qu'on va faire en illustration, ça reste au plat, enfin, tous les deux. Ça va, Maria? T'es pas fatigué le tête? Si tu veux prendre une autre position de la tête, c'est parce que là je suis en train de faire ton buste. Alors ce qui est bien avec l'huile en fait, c'est que comme ça sèche pas, des fois on peut prendre du petit bleu de à côté. La palette, c'est plus que... On fait ces mélanges. Des fois, tu dis, paf, oh, ça peut être intéressant de prendre juste... Alors que j'irais pas penser comme ça, forcément. Et du coup, comme on travaille un peu avec... ça crée une petite couleur, à peu près. Je veux dire, en fait, on mélange entre toutes les couleurs et donc ça crée une certaine unité. Ça peut créer une certaine unité. C'est juste un fond de terre d'ombre brûlée très dilué. Si on arrive à avoir le nez mieux, du coup, si on arrive à mieux réussir le nez, du coup, la bouche peut paraître moins bien aboutie, donc on a tendance à tout monter en même temps. Et donc, quand on change un élément, l'œil est puré. Enfin, voilà, on a envie de. Alors, c'est sans fin en fait.
Bon, allez, stop.